Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur le commando du le Camp 2000 sur PSA. Comment contrôler le problème d'airbag ou bien le klaxon, parce qu'on a souvent des problèmes sur l'airbag et les klaxons. On va contrôler comment vérifier un Camp 2000. On a besoin d'un multimètre. Le multimètre, il a le Camp 2000. Voilà, on a trois prises. On a cinq prises là, les deux là, les deux sur les côtés, c'est les prises de l'airbag. Les autres, c'est la commande d'éclairage, les essuie-glaces et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux là. Les deux là de côté. On met le multimètre sur position résistance. Voilà. On essaie de démonter le cache de la prise. C'est facile à démonter. Après, on met là. Si ça bip, ça veut dire qu'il n'est pas coupé. Voilà. Comme vous voyez là. Voilà. Ça bip. Il faut que ça bip. Après, ensuite, on vérifie celle-là. On la défaire. Et pareil, on fait les mêmes gestes sur ce côté-là. Sur ce côté. Si ça bip, ça veut dire qu'ils sont pas coupés. Si ça bip pas, ça veut dire qu'on a un problème sur le commando. Ça, c'est sur les voitures qu'on a un voyant airbag allumé, et quand on met la valise, ça nous indique toujours airbag conducteur. Voilà, c'est tout. À plus.